Tout d'abord, je pense que c'est un moment important et déterminant pour la jeunesse du Mali, à travers le Conseil national de la jeunesse du Mali. C'est un moment aussi qui était attendu par toute la jeunesse, à travers les organisations représentatives de la jeunesse, particulièrement à travers le Conseil national de la jeunesse du Mali. Le message, il est très clair. Notre mission en tant que ministère de la jeunesse, c'est d'accompagner la jeunesse du Mali, de l'aider à mettre en œuvre des projets pour son épanouissement, mais surtout de l'encadrer. Les divisions, les dissensions ne sont plus un tabou, elles sont connues de tout le monde. Le CNJ est traversé depuis le congrès de Kuchala par des dissensions diverses, ayant créé divers groupes à l'interne du comité exécutif et des groupes opposants à l'extérieur du comité exécutif. Nous avons accompagné le Conseil national de la jeunesse à organiser sa conférence extraordinaire. L'objectif, c'est de créer toutes les conditions pour unifier les positions, unifier les points de vue et aboutir à une structure, à un bureau consensuel et unitaire. Je pense que cet objectif est partagé aujourd'hui par l'ensemble de la jeunesse malienne. Diviser, ils n'iront nulle part. Diviser, ils ne pourront ni satisfaire leur organisation, ni satisfaire le Mali. Donc c'est sur ce chemin de l'unité et de l'union que nous les avons accompagnés. Je tiens à saluer l'esprit des responsabilités des uns et des autres. Parce que les positions étaient très divergentes, mais à un moment, les gens ont aussi gardé raison. Et ce qui a abouti de manière responsable et volontaire à la démission du président sortant. Et les jeunes continuent maintenant leurs travaux pour mettre en place un comité exécutif consensuel au sein duquel toutes les tendances vont se retrouver. L'appel que j'ai à lancer, c'est celui que j'ai déjà lancé en accompagnant le CNJ à organiser cette conférence. Je les appelle à l'unité d'action, à l'unification de leurs forces et à se fixer des objectifs communs. C'est à ces prix que notre pays sera doté d'une jeunesse capable de relever les défis. Je rappelle aux jeunes, ils sont la majorité écrasante du peuple malien. Nous sommes 75% de la population malienne. C'est une très très lourde responsabilité. Je les invite alors à prendre conscience de cette responsabilité et à s'engager résolument au service du pays en émettant toutes les initiatives capables de contribuer à l'épanouissement de la jeunesse. Je sors de cette ouverture de la conférence extraordinaire très satisfait. Vous connaissez la jeunesse, je la connais parce que j'en fais partie. Nous avons de l'énergie à dépenser. Nous avons des méthodes d'expression parfois qui peuvent être interprétées par nos aînés comme étant quelque chose de non constructif. Mais moi, je sais que c'était important de laisser les jeunes s'exprimer. C'était important de dire leurs griefs les uns envers les autres, mais aussi leurs griefs envers le département. Je suis le ministre de toute la jeunesse du Mali, de ceux qui sont dans le bureau comme ceux qui ne sont pas dans le bureau. Je suis le ministre de la jeunesse du Mali, de la jeunesse rurale comme de la jeunesse urbaine, de ceux qui sont dans les organisations comme ceux qui ne le sont pas. Donc je suis prêt à entendre et à recevoir tous les griefs, parfois les attaques de mes jeunes, parce que c'est aussi notre mission de les écouter, mais aussi de soigner, tant qu'on le peut, de soigner leurs attentes, de soigner leurs griefs, mais à la fin, je tiens à les rassurer que je serai...